Et bonjour, bonsoir, me revoilà moi, 18-12-1999. Donc, suite à la demande d'un abonné, aujourd'hui je vais vous présenter le crack de Vocaloid. Donc voilà, donc, j'espère que j'aurai été assez rapide pour toi. Donc, pour ce faire, il va vous falloir télécharger deux fichiers. Donc, les liens seront dans la description. Ne faites pas attention au nom bizarre, hein, donc sur le lien Imtobox. Il ressemble à ça parce que en fait c'était un torrent et j'ai téléchargé avec torrent 2DLL. Enfin, voilà. Et du coup ça m'a donné ce nom bizarre, j'avais pas envie de le réupload. Ayant une mauvaise connexion, ça prend pas mal de temps. Voilà. Donc il vous faudra une rare. Obligatoirement ou un autre archiveur, mais moi j'utilise une. Donc voilà, vous désarchivez ça. Et après, on va passer à l'installation d'abord du logiciel. Voilà, donc hop, exécuter. Oui. Hop, et installe. Là, ça charge assez rapidement normalement. Ah, patiente un petit peu. Et voilà, finish. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez voir que vous avez le logo de Vocaloid qui s'est créé. Vous pouvez essayer de le lancer, hein. Ça fonctionne pas. C'est normal. Parce qu'en fait, on n'a pas mis de librairie. Enfin, de bibliothèque si vous préférez. Et c'est pour ça que je vous ai fait télécharger cette bibliothèque. Après, si vous en voulez d'autres, j'essayerai de. Bah, demandez-moi et puis j'essayerai de vous en trouver d'autres. J'ai pas du tout fait. À ce qu'elle ressemble, ne sachant pas du tout utiliser le logiciel. J'ai découvert il y a 5 minutes, en fait, après avoir réussi à le craquer. Donc voilà, donc c'est pas dur hein, pour l'installer. On clique, enfin, on double-clique sur Ruby, mais en fait avant on vient de green étape. Là, hop, on va copier ça. Et on va aller le coller ici. Hop, on double-clique, on exécute. Install et finish. Voilà, ça c'est bon. Donc maintenant il reste plus qu'à installer le Ruby. Donc bah c'est parti. Donc normalement vous avez le droit à une mute. Après un peu de temps arrivé, on va aller dans le vide parce que ça chamine un peu. He tricks me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know. Lycée puis baisser. Ouais non, en fait non, c'était aussi bien, n'allez pas. Voilà, hop, et on appuie sur next. Voilà. Et donc là, il y en a pour 10 minutes. Donc on se retrouve juste après. Et donc, me revoilà. Donc l'installation est finie. Donc il ne reste plus qu'à cliquer sur Finish. Voilà. Donc ça, on peut fermer. Et maintenant... vous pouvez cliquer sur Vocaloid 4FE. Ça charge.
Et surtout, ne pas mettre à jour. Hein. Donc, do not update. Et voilà, vous avez plus qu'à utiliser le logiciel. Voilà. J'espère que cette petite vidéo sur Vocaloid vous aura plu. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, à mettre un pouce bleu. Et puis, moi, je vous retrouve, j'espère, très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, à plus.